petite Mirabel, écoute. Personnellement, j'ai toujours pensé que si j'ai perdu la guerre de 40, Mirabel, c'est à cause de la mauvaise qualité des communications téléphoniques. Ici Glantine, parlez. La 7e compagnie, mon colonel, le capitaine Dumont. Ah, tout de même. Églantine ! C'est pas tout à fait Églantine ! Ici Mirabel, mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux ? Le temps de boire un cognac, et on part ! Je n'accablerai pas davantage nos soldats qui, à l'exemple de mes hommes, tels Chaudard, Pithiviers et Tassin, surent se montrer tour à tour héroïques, mais lucides, courageux. Au secours ! Qui s'est rien de cassé ? Voire téméraire. Mais cependant astucieux. Souffle. À table. Bien qu'ils fussent continuellement traqués. Et même détraqués. Seul ! Mon lieutenant, je suis bloqué. Les Boches, ils ont des bottes. Ils perdent pas le temps à s'envelopper les pieds comme des cadeaux de Noël. Qu'est-ce que je trouve ? Une poignée de baroudeurs français. Des baroudeurs, certes. Mais quand même des êtres humains. J'y suis baba aussi, moi. Merci. C'est bon. On fait aussi à manger pour quatre. À manger pour quatre? Vite, vite, on est pressé. Oui, oui, j'y vais. On est vachement plus vite servi comme ça, hein, chef. Vous préférez du vin ou du cidre? Moi, je vais vous dire, le cidre, ça meilleur. Alors, si on est obligé de se dépêcher. L'ami malin a franchi le sol. C'est ainsi que ces hommes luttèrent jusqu'à la victoire finale. Car comme chacun le sait, nous perdîmes une bataille, mais pas la guerre. Tirez-vous ! Enfin... Et où est donc passée la 7e compagnie ? Vous êtes 17 compagnies, Gabriel. Allez, Claire! Allez, Claire!